Lui, c'est H, le moniteur chef. Il est grand, blond, baraqué, un peu de ventre. Elle ne se demande pas s'il lui plaît, si elle le trouve beau. Il paraît à peine plus âgé que les autres moniteurs, mais pour elle, ce n'est pas un garçon, c'est un homme fait, plus en raison de sa fonction que de son âge. Comme son homologue féminin, la monitrice chef, elle, il est pour elle du côté de ceux qui dirigent. Le midi même, elle a déjeuné à la même table que lui, intimidée, très gênée parce qu'elle ne savait pas comment faire pour manger proprement la pêche du dessert. Pas une seconde, elle n'a imaginé qu'elle pourrait l'intéresser. Elle est abasourdie. En dansant, il recule vers le mur en continuant de la fixer. La lumière s'éteint. Il la tire violemment contre son torse, écrase sa bouche sur la sienne. Dans le noir, des protestations fusent, quelqu'un rallume. Elle comprend que c'est lui qui a appuyé sur le bouton électrique. Elle est incapable de lever les yeux sur lui, dans un affolement délicieux. Elle n'en revient pas de ce qui lui arrive. Il chuchote. On sort? Elle dit oui. Ils ne peuvent pas flirter devant les autres. Ils sont dehors, longent les murs de l'aérien enlacés. Il fait froid. Près du réfectoire, devant le parc obscur, il la plaque contre le mur. Il se frotte contre elle. Elle sent son sexe contre son ventre au travers du jean. Il va trop vite. Elle n'est pas prête pour tant de rapidité, de fougue. Elle ne ressent rien. Elle est subjuguée par ce désir qu'il a d'elle. Un désir d'homme sans retenue, sauvage, sans rapport avec celui de son flirt lent et précautionneux du printemps. Elle ne demande pas où ils vont. À quel moment a-t-elle compris qu'il l'emmenait dans une chambre? Peut-être l'a-t-il dit.